Dédé a fait le moteur. Dédé, pas Dédé, hein. Faut le soulager. Non, pas Dédé, le mec avec qui on boit un coup le dimanche matin au bar. Hein. Allez, essayez de enlever la courroie. L'alternateur. Moi je fais le réglage de soupape. C'est pas simple sans le casser. Bon, faut prendre les bons outils. Hein. Ça n'a jamais été une certitude. Hein. Saloperie. Bah. Ça, c'est encore made in Bougnoul, quoi. Made in Kadhafi. Made in Kadhafi, ouais. Régime. Un régime au port. Régime Kadhafi. Donc, le jour où ça a été filmé, je le dis hein, pendant 50 ans, c'était le jour où on allait boire la gueule à Kadhafi. Hein. Voilà. Incessamment sous peu. C'est le début d'une guerre mondiale, peut-être. Hein. Peut-être. En même temps, Kadhafi tout seul. Hein, et... Il me dit, ne casse pas l'alternateur. Qu'est-ce qu'il faut pour couper ça? Donc, c'est le réservoir d'essence. Voilà. D'accord. Ouais, c'est homologué. Ça, c'est le réservoir préparé, ça. C'est les réservoirs bio. Hein, bio, il est tout seul, quoi, mais. Bah ouais, mais il est bio quand même. C'est. Hein? Où va la crémaillée? Pour l'aider. Ah, oh, il y a un problème. C'est pas la bonne clé. C'est pas la bonne clé. Cher ami, pourriez-vous démarrer votre véhicule afin que nous puissions avoir un petit peu d'électricité? Bien sûr. Une pince. Bien sûr. Donc après une certaine souplesse au niveau motoral, peut-être tu remettras de l'eau dans ton véhicule. Ah bon? Oui. Pas dans le réservoir. Hein. Où ça? C'est quoi ça? Où ça, pour mettre de l'eau? Là. Du kit de refroidissement? Ouais. Ah bon? T'as vérifié s'il n'y a pas de vitesse? Il y a un petit peu d'huile là-dedans. Il y a de l'huile là-dedans? C'est la mayonnaise. Ah merde alors. Il va y aller là. Il est ravi. J'aime pour ça, ça se trouve. Ah non, elle aime pour ça. Par contre, il y a du jus dans les chiens, non? Ouais, c'est du jus, ça qui sait. Ah, il y a des pattes, hein. Ça, ça fait énormément, ça fait pas croire. Hein. C'est incroyable, t'as pas une chip 10, tu peux pas travailler, il est tout en train de foutre le bordel. Attends, puis les conditions de travail, tu vas pas couper le bout de fer. Essayez les boulons. C'était bien, ça va pas. Ah, qu'est-ce qu'il bouge. Des ouvriers de l'ICA maintenant, hein? Laisse le curier! Attends! Ça fait de la mayonnaise! Voilà! Ça va cracher les femmes! D'accord, c'est tout dégueulasse! On va serrer les culs bouteilles! Après, une fois qu'on aura démarré, Fred, il faut que tu t'enfuis avec ton véhicule! D'accord! Quoi, ça va prendre pas? Ça? On va être plus ralenti. Ah,
pompe, mais pas la pompe. Il y a une prise d'air. Ah merde. C'est ça qu'elle démarrait pas. Cherche-moi. On a tourné vite pour qu'on puisse changer la durite là. Tiens. Avec ça. Je crois pas. C'est une grande taille. Ah Dieu, mais c'est quoi ce foin dans le moteur? J'ai jamais vu ça. J'ai rarement vu ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, j'ai mon tag. Mais il y a besoin d'une pompe à l'étranger. Eh merde, c'est pas le bon gant. Ça va pas, hein? Il a encore bien pété la pompe à l'étranger. Elle va tourner vite. Elle va pas. Oh, faut pas foirer là. Oh, elle n'en va jamais essayer les propos. Alors ça, c'est un kit qui forme les toiles. C'est du torx plat. Ça dépend. Si c'est turc. Bon, alors après, on fait celle-là. Voilà. Ah, c'est la mienne. Et puis après, on fait celle-là. Et puis après, demain, on fera celle qui est derrière, là, ici. Il y a une autre tour. Six ans de mécano, 6 ans, j'ai jamais vu ça. Ça y est, foutu. Il est pété. Ouais, mais. Oh, ben tiens, con, mais. Ouais, j'ai pas pensé, j'ai pas vérifié les soubops. Il casse plus le buteur. Je sens que c'est celui-là qu'on a émis, hein, de mémoire. Ouais, un truc pour qu'on puisse tenir, hein, pour que... Adaptable, réglable, amovible. Ah, chiette! Fucking god! Il y a une petite prévision. Je ne sais pas comment ils vont. Est-ce qu'ils vont? Trop long, ce machin-là. Bon, le problème, c'est. Ça, c'est de la mécanique de précision. Oui, bien ça, on est obligé de travailler avec ce qu'on a. De toute façon, dans ce métier, on n'a pas le droit. Pas le droit à l'avant, la même marque. Pour qu'on soit sûr de ce qu'on fait. Voilà. Le calage, de toute façon, continue. Là, moi, j'étais maçon avant. Moi, j'ai un peu tout fait. Quoi. J'ai fait du sol ou... J'ai 30 ans, moi, j'ai 50 ans de boîte. Hein. J'ai tout vu, tout fait. J'ai la gueule usée. Comme Simona. Du bonheur. C'est quoi ça? On refout le courant. En même temps que c'est pas le courant. Alternatif ou... Bon bah alors donc c'est une cabriolet, hein, vous l'avez remarqué. Tout à fait. Dis donc, ça sent la merde ici. Ouais, mais... c'est un tas de... Et ça c'est Natacha. Une légère fuite. Bon, je vous raconterai une autre fois l'histoire de Natacha, mais... sacrée histoire. Alors démarrera-t-il pas? Oh si si. L'équipe est motivée et sereine. Ah, faudrait m'aider, là, je peux pas tout faire. Hein. Non, on n'y en met pas de sang non plus. Là, tu ne mets pas la gueule. Voilà, donc on lit la déception sur les visages du mécano. Ouais, ça va pas là. Parce que là, c'est saloperie. Tout est neuf là-dessus. Ah, il y a eu un soupçon là. Elle a frémi. Il va y aller. On va pouvoir aller en boîte là ce week-end. Moi je suis en direct. Non, nous toi.
Bon, le seul truc, on risque d'avoir un petit problème, j'ai pas de radiateur. Tape ton singe. Ben, faudra s'arrêter, hein. Il y a la menace avec ça. Ah, pourquoi j'ai mis du stop-tail ? J'en ai un peu. Ah, le stop-tail, ça n'a jamais été pratique là-dessus.